Bienvenue sur la meilleure chaîne d'actualité, de divertissement, de buzz et d'information. Abonnez-vous à la chaîne Franco Le Mignon. Le pays, il va me finir. Ah? Le Cameroun, non. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends, sache que tu n'as rien compris. Eh, grand frère. Ah, dis donc. Bonjour les fans. J'espère que vous avez bien célébré la victoire des Lions hier. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Hey, tu es sûr qu'il y a un bon dossier aujourd'hui? Si jamais tu m'as puni. Ok, avant de vous présenter les bonnes choses, permettez-moi d'abord de vous présenter ce journaliste spécial venu au Cameroun pour la CAN. Ok. Il va donc nous présenter la cuvette de Vanena, donc le stade Amadou Ahidjo. Édition ici à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Quoi? Ici à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Écoutez très bien. Ce stade qu'on renomme, ou une surnomme, stade de la cuvette, de la cuvette Mfonda. Quoi? Stade de la cuvette, de la cuvette Mfonda. Cuvette de Fandena. De la cuvette Mfonda. Azambawam, tes gros noyaux. Écoutez très bien. La cuvette Mfonda. C'est ça, donc vous voyez... Bon, ça va. On a compris, non? Avant de vous présenter le vrai dossier, regardez un peu ceci. Salut, je suis Franco Le Mignon. Bienvenue au complexe Las Vegas. Le complexe Las Vegas, c'est mon meilleur partenaire actuellement. Je vous ai dit, l'anniversaire de mon concept, 5 minutes de riz, c'est bientôt. Un an d'anniversaire. Ça va donc se passer où? Ici même à Las Vegas. Venez rapidement, on visite l'intérieur. Je vous présente l'intérieur du complexe Las Vegas. Et je reviens vous expliquer comment l'événement va se passer. Il y aura qui? Les qui seront invités? Il y aura quoi? On va manger quoi? Ça sera plus que mon mariage. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder mon mariage. Salut, salut. Je suis Magloire Avon, directeur général du complexe Las Vegas, situé à Messassi, Yaoundé. Las Vegas est un espace événementiel ouvert à tous. Ici à Las Vegas, nous vous offrons plusieurs services. Nous disposons ici d'un restaurant où vous trouverez tous les menus. Nous disposons d'un espace hébergement où vous trouverez de très belles chambres climatisées, des lits bien rangés. Moi, c'est Blaise, ici, je suis responsable ici au complexe Las Vegas, chargé d'hébergement. Ici, nous avions les chambres VIP, les chambres climatisées, les chambres classées. Nous avions aussi un cube de ténèbres pour la relève d'eau en cas de coupure. On a aussi un groupe électrogène en cas de coupure d'électricité. Nous disposons aussi d'un espace snack pour le divertissement. La bière est à 700 francs, donc presque au prix du bar. Nous disposons de deux salles de fête. Dans chaque salle, il y a quatre climatiseurs, des jeux de lumière. Avec 300 000 francs, vous pouvez vous marier à Las Vegas. Selon vos exigences, de 300 000 à 600 000 francs, nous vous offrons des marmites chauffantes, 10 marmites chauffantes gratuites, une chambre de noces gratuite, le DJ et toute la sonorisation gratuite. Les chaises royales des mariés vous sont offertes. Un tapis de qualité vous est déroulé pendant votre cérémonie. Pourquoi ne pas en profiter de tous ces avantages que Las Vegas vous donne? Venez découvrir Las Vegas. Las Vegas, plus que le paradis. Nous vous attendons ici. Ça se passe ici, à Las Vegas. Vous pouvez facilement nous contacter au 6 99 35 37 83. Comment vous avez trouvé le complexe? C'est très joli, non? C'est la magie par ici. Merci infiniment à Vuri TV, Monsieur Kenyep,
Kamga Patrick, le boss des boss de Vuri TV, pour le soutien. Merci infiniment au Las Vegas qui m'a contacté pour me soutenir pour cet événement qui vient bientôt. Nous attendons encore des partenaires et des sponsors. La liste est ouverte. Les gars, on est ensemble. Je vous donne les informations dans quelques jours. Restez scotchés. Ciao, ciao. Voilà, je dis merci infiniment au gouvernement camerounais pour ce beau stade. C'est waouh. Hey, calmez-vous. Qui vous a demandé d'applaudir? Regardez seulement. Ah, super. Mon frère, quels sont tes sentiments par rapport au match des Lions hier? On n'est pas sorti de l'aubaine, sincèrement, mais la victoire, ça nous rassure. Ça prouve que vraiment les Lions ont tellement montrer et prouver qu'ils sont lions. Tu parles de quel lion? Les lions de la forêt. Donc tu es vraiment ému? Nous sommes tellement émus, très contents pour cette victoire. Et sincèrement, nous prions le bon Dieu afin qu'il continue à nous donner le pouvoir et la force. Ouais, ça c'est très bien. C'est vraiment très bien. Et toi mon frère, quelles sont tes impressions? Bon, c'est une joie, c'est une satisfaction pour nous de remporter les trois premiers points. C'est un honneur d'abord pour nous d'organiser cette CAN après plusieurs années. Et si le Cameroun gagne aujourd'hui, nous devons tous être fiers. Ma joie est grande. Je ne peux pas l'exprimer. Ok, merci aussi pour le soutien. Présentez-nous un peu les deux buts des Lions Lavoie. D'abord le premier. Les Camerounais. Le deuxième but. Les Camerounais. Que Dieu vous garde. Car vous n'aimez pas la défaite, hein? Tu es sûr? On vous connaît. On vous connaît. Bon séjour à tous les étrangers qui sont logés au Cameroun, sur notre terre, sur notre territoire. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. C'est des moments très émouvants, Charles. Pour le président de la République, pour le peuple présidentiel, parce que n'a-t-on dit du stade de Lembe ces derniers mois, ces dernières années? Il sera construit, il ne sera pas construit, il a tel problème, il n'a pas tel problème, mais aujourd'hui, voici le stade de Lembe. Et voici le président de la République qui va à Lembe pour un match de football, pour une cérémonie inaugurale d'une compétition, la plus grande compétition sur le continent africain, la CAN. Le chef de l'État qui a donc salué le président du COCAN tout à l'heure, qui salue le président Motsepe de la CAF et le bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit hein, de la CAN que devait ou que doit organiser le Cameroun? Yes, we all know that it is very, 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 it's an important event for Cameroun. Mais tout cela est derrière nous hein, maintenant. Yes. Maintenant, c'est place à la fête, place au président de la République qui donne le coup d'envoi de la fête et tout à l'heure ce sera place au jeu, place au football. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.